Alors, pourquoi nous avons choisi LoRa? En fait, nous portons un intérêt particulier à la thématique de l'IoT. De plus, LoRa, la technologie qui nous permet de faire communiquer les capteurs avec Internet, a été inventée à Grenoble. Raison de plus pour nous y intéresser. Alors, rapidement, qu'est-ce que LoRa? Déjà, LoRa, cela signifie long range. C'est un protocole permettant la communication via les ondes radio d'objets à faible consommation électrique. La société grenobloise qui a créé LoRa a été rachetée en 2012 par Semtech à valeur de 5 millions de dollars. L'avantage de LoRa réside dans sa portée. Elle peut aller dans un milieu urbain s'étendre jusqu'à 5 km et dans un milieu rural avec relativement peu de bâtiments, ça peut s'étendre jusqu'à 15 km. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment sommes-nous arrivés à sauver les marmottes? Initialement, le choix de ce projet impliquait de mettre en place un capteur de température, de CO2, d'humidité et d'autres valeurs environnementales dans l'une des salles informatiques de l'UIT. Voici les graphiques que l'on peut obtenir en regardant 3 mois de données. On observe en vert les variations de CO2, on voit clairement les motifs, avec des pics les journées de cours et des creux les week-ends. Au mois de janvier, l'IMAG nous a demandé d'effectuer un projet pour les chercheurs de la faculté de biologie de l'université. Nous avons donc dû ajouter des capteurs aux cages à marmottes utilisées pour les suivis des populations. La programmation de ces capteurs doit surtout permettre aux personnes en charge de la récupération des animaux la récupération en moins d'une demi-heure, car c'est le temps de vie des marmottes emprisonnées. Une redondance des chemins est aussi nécessaire pour prévenir les possibles interférences. Nous avons placé 2 capteurs en parallèle sur cette cage. Lorsqu'une marmotte est capturée, un message est envoyé aux passerelles, puis remonte vers le serveur MQTT. Ensuite, Grafana récupère les données pour nous faire un bel affichage graphique. Un message d'alerte est aussi envoyé afin d'informer la capture d'une marmotte et intervenir au plus vite pour la libérer, car sans intervention dans les 30 minutes, elle meurt. En conclusion, le Marmotte Project, dans l'état actuel, ne peut pas être mis en place pour le moment. Nous allons donc confier la succession du projet à d'autres groupes. Le développement de ce projet a mobilisé de nombreuses personnes. Nous tenons donc à remercier Daniele Araujo, Didier Donzé, Franck Delbar et bien sûr notre tuteur, Monsieur Lubino. Merci. C'est tout pour moi.